Ah, moi, je vais éviter ça. Je t'en prie. Arrête, Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Moi, ça va de mon côté. Je me bats toujours à ma manière. Et personne n'a le droit de me dire quel est le sujet qui est bon, quel est le sujet qui n'est pas bon. Facebook, c'est comme la télévision. Chacun a son nu, chacun a sa page. Chacun est libre de faire de son sujet ce qu'il veut. Il y a des gens qui parlent du piment. Vous êtes là, abonné. Voilà. Ouais, un peu, hein? Voilà, donc chacun est dans son coin. Donc chacun, ce n'est pas quelqu'un à venir me dire que quel est le sujet. Non, non, non. Dans la vie, ne suis pas le concept des autres. Suis ton instinct. Beaucoup de leaders meurent à cause des autres parce qu'ils veulent faire ce que les autres les ont dit de faire. Voilà. Un leader, c'est un esprit. Il ne vit pas pour faire plaisir aux autres. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand tu sais que tu es un leader, ça veut dire que quand ta parole porte, arrête de vouloir faire des choses à contre-temps, ou bien parce que les gens te disent de faire. Les gens trouvent souvent les malheurs parce que, tu sais, tu peux faire quelque chose de grave là. Mais rien ne t'arrive. Parce que c'est ton instinct qui t'a dit de faire. Mais tu peux faire une petite chose là comme ça là. Ça te ramasse. Ça prend ta tête. Tu perds beaucoup de choses. Ou bien ça te ralentit dans la vie. Donc dans notre vie, arrêtons de vouloir faire les choses parce que on veut impressionner les autres. Non, j'ai compris ça. Les gens me disent chaque jour, Mbanga Diaspora, mais grand, quand tu es dehors, tu es trop frais, tu es tout bien habillé. Mon frère, je ne suis pas ici pour te faire plaisir. Quand je suis dehors, je suis bien habillé parce que là-bas, c'est le concept de là-bas. Ici au Cameroun, là, je n'ai pas de pression, je suis dans mon pays. Donc ce qui va m'arriver là, c'est au Cameroun. Hein? Ce qui va m'arriver, c'est dans mon pays, donc au Cameroun là. Non. Mais quand je suis dehors, je mets toutes les chances de mon côté. Vous savez, je suis chez moi, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc, quand je suis au Cameroun, là, je suis en repos, je suis chez moi, je ne cours pas. Voilà, je suis chez moi. Donc, ça veut dire que le jour que je suis content, je sors. Le jour que je ne suis pas content, je ne sors pas. Pourquoi? Parce que ailleurs, j'ai travaillé. Et ailleurs, je mets tous les moyens de mon côté. Ça veut dire que je dois être propre. Tu sais, quand tu es dehors, là, en tant qu'Africain, il faut donner le meilleur de toi-même. Ça veut dire qu'il faut être propre, il faut être élégant, il faut être costaud, robot, musclé. Voilà, et ce que je donne le meilleur de moi-même pour que la chance ne saute pas sur moi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Il faut arrêter de vouloir faire comme les autres. Voilà. Vos leaders que vous appréciez là. Si on met aujourd'hui là, si on met Mani B là devant moi, devant toi, tu vas dire que non, tu préfères Mani B là. Parce qu'elle a chanté Pala Pala. Pala Pala. Mais un sujet comme ça ne peut jamais parler. Elle ne peut pas. Parce que ce n'est pas son niveau. Ce n'est pas parce que quelqu'un est star que vous croyez que c'est des exemples. Non, 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 non. Même le fou du quartier, c'est une star. Mais oui, même le fou du quartier, c'est une star. Même la maman du quartier qui a fait fuir les bébés depuis toute notre enfance, ce sont des stars. Voilà, une star, c'est qui? C'est quelqu'un qui est public. Mais tu n'es pas célèbre, fais attention. Voilà. Tu n'es pas un artiste, fais attention. Un artiste, c'est celui-là qui utilise son art au profit des autres, à l'éternité. Ce n'est pas une affaire de richesse. Parce que pour nous en Afrique, quand quelqu'un a chanté, et puis il est star, il a l'argent pour vous, Il est au-dessus de celui-là. Il est au-dessus de Longuet Longuet. Longuet Longuet, c'est un artiste. Tu vois un peu? C'est un artiste en public. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est un artiste du public. Donc, c'est un artiste. Après même sa mort, vous allez penser de lui. Voilà la pyro qui est morte. On parle tout de lui. Pourquoi? Parce qu'il défendait les vraies causes. Il y a des artistes qu'on oublie. Voilà. Il y a des artistes qu'on va toujours oublier. Même quand vous partez dans certains pays, les grands pays, les pays qui ont eu la révolution, on vous parle des artistes qui ont utilisé leur voix à l'époque là. Vous savez, nous sommes en guerre aujourd'hui. Nous sommes en guerre. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui à enfumer le peuple, que ce soit artiste anglophone, que ce soit artiste francophone, si tu es Camerounais et que si tu n'as pas apporté ta partition, hein, pour apporter une forme de paix dans ton pays, quand on va parler de ces périodes difficiles que le Cameroun a été traversé là, tu ne feras pas partie, hein. Non, 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 non. Je m'adresse à tous ces artistes-là. Les Mister Léo, les Salatiel, les Daphné, tous les gens-là. Les Mani Bella,
Tous ces artistes-là, le moment viendra où on va écrire l'histoire du Cameroun. On va parler du plus vieux dictateur africain. Le plus vieux dictateur, l'homme qui a mis plus de temps à la tête de l'État camerounaise, qui a fait plus de 40 ans. Quand on va écrire l'histoire de M. Biya, les vrais artistes seront parmi. On va parler d'un Richard Bona. On va parler d'un Valsero. Richard Bona avec tous les titres du monde qu'il a eu, les Grammy Awards, que personne n'a jamais eu. Parmi tous les gens qui font les nyama nyama là, qui sont là avec les 2 millions d'abonnés là, qui peuvent impacter dans la vie des gens, ils ne peuvent jamais, on ne parlera jamais d'eux. Il faut beaucoup faire attention. Donc bonjour à tout le monde, à la combattante Sandy de Boston. Oui, tu as dit quelque chose, Sandy de Boston, que personne ne doit te réduire au silence. Mais oui, c'est ça un leader. C'est ça un leader. Nul n'est parfait. Je suis d'accord avec toi, Sandy de Boston. Personne ne doit te réduire au silence. Oui, nous sommes au Cameroun, non? On a reçu plus pire. Toi, tu as fait quoi? C'est une affaire d'un bite. C'est une affaire d'un tot. Où est le problème? C'est quelque chose qui est normal. Ça devait être plus grave si tu avais embrassé que une femme. Mais mon ami, tu es dans la légalité de la vie normale. Est-ce que tu as un problème? Tu es une femme. Alors une femme, c'est celle-là qui doit jouir. Un homme, c'est celui-là qui doit jouir. Et c'est ça qui embrouille les Africains. Moi, je ne juge un homme là. Moi, attendez mon tour, mon tour. Le jour qu'on me voit avec une femme, non? Allez dire au monde entier. Parce que dans ma tête, je suis polygame. Je dis ça à mes garçons ici à la maison. Donc, vos histoires de femmes que vous venez... Non, je t'abandonne. Dégage, quitte de là. Quitte. Et que tu m'abandonnes parce que... Abandonne-moi parce que je n'ai pas rationné. Abandonne, tu abandonnes un homme parce que... Ma chérie, tu pars. Oui. Ma fille, un jour, amène les affaires ici là. Que non, je veux divorcer parce que... Arrête ça, toi, c'est qui? On trompe les Shakiro. Les Shakira. Toi, tu es qui pour qu'on te trompe? Une femme qui perd 300 millions de dollars. Hein, on l'a trompé. Toi, tu es qui? Tu... Non, il m'a trompé, vraiment. Je vais... Moi, je te dis. Il y a des choses que si une femme fait, je me sépare de toi. C'est clair. Tu prends une photo, tu passes jeter dehors parce que tu es ma femme. Tu tentes. Il y a des choses... Dis tout. Je n'ai pas rationné. Je vais comprendre. Vraiment, voici un monsieur me laisse en location. Je vais comprendre. Mais si tu tentes que tu prends certaines choses, moi, je vais d'abord rire. Abi Bangado. Pourquoi on dit qu'il faut laisser ses enfants dans la rue? Quand ils laissent mes enfants ici au quartier dans la rue, mes voisins du quartier disent que. Mais ils ont compris à la fin. Je vois d'ailleurs certains aussi laissent les enfants. Enfermer les enfants dans la barrière, ils grandissent. Ils croient que non, ça est anormal. Nous, mon frère, nous, on est issus tous des familles polygames. Nos grands-parents étaient polygames. Et ils ont vécu pour longtemps. Aujourd'hui, les femmes, si tu es seul avec ta femme, vous divisez. Les divorces chaque jour. Tu es dit à ton père, à ta mère. Mais vous ne comprenez rien. La vie n'a pas de sens. Vous ne profitez même pas de la vie. Parler quoi là? Regardez toutes ces familles là qui sont malheureuses aussi dehors là. On te dit que le père il était seul à sort. Elle était la seule femme, mais elle a trompé son mari. Nos grands-mamans là ne trompaient pas leurs parents, leurs grands-parents, nos grands-parents, jamais. Donc voilà ce que je voulais dire. Ma soeur, tu n'as rien fait. Je suis d'accord avec toi. Jusqu'à demain là, on s'en fout des gens là. Voilà, tu n'as pas abusé là de quelqu'un. Tu as fait quoi? Attendez donc, parce qu'elle est partie, elle n'a pas trompé son mari. Hein. Donc Sandy Bonson n'a pas trompé son mari. Elle est assise là. Elle est une femme que chacun peut venir draguer parce qu'elle est libre. C'est comme ça. Voilà. Donc, et dans ma tête, chaque homme est un polygame. Voilà. Où c'est qui? Arrêtez ça, dis donc. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire ce matin? Arrêtez ça, dis donc. Bon, voilà. Donc, voilà notre soeur Mani Bella aujourd'hui qui est... C'est pourquoi je vous ai dit, il y a star, il y a artiste. Il y a stars et artistes. Les Mani Bella que vous voyez là, elles sont en mission. Ce sont des stars. Ouais, non? Donc, elle vit de la popularité qu'elle a eue pour un moment de sa vie. Maintenant, quand vous voyez une femme sur la toile, tu ne sais pas ce qui arrive. C'est comme ça, parfois, on dit que. Comme ça, on a commencé ici avec Wopso. Quand Wopso a commencé, on l'a négligé. Voilà, elle est partie. Elle nous a quittés. Donc, c'est pourquoi le manager doit revoir Mani Bella. Mani Bella, qu'est-ce qui ne va pas? Quand il n'y a pas d'inspiration, tu n'es pas obligé de publier. Tantôt, c'est la réconciliation. Tu es qui pour venir réconcilier deux grandes filles comme ça, là? Toi, tu es qui? Toi, me réconcilie, toi, avec toi-même. Tu as fait quand même l'effort de te réconcilier un moment avec ton teint toi-même. Vous voyez, là, toi, les gens perdent leur rôle. Allez regarder les pages des stars, des superstars américains. Mais oui. Allez regarder les superstars américains. Il y a les superstars américains, 100 millions d'abonnés, 50 millions d'abonnés. Il ne publie jamais pour rien. Tu vois, quelqu'un publie aujourd'hui, c'est après un mois, deux mois. Tu pars, tu es là, voilà une fille comme Mani Bella, toujours en train de chercher les problèmes. Tu sais, nous là, nous on défend les causes. Ça veut dire quoi? Si je fais une publication sur les Ivoiriens,
Ils vont venir faire ce qu'ils vont faire, mais ils savent que je suis dans ma ligne éditoriale. Et que Mbanga Diaspora dénonce, même dans son pays, il dénonce. Mais te voilà, tu es une fille, tu cherches les problèmes. Je ne sais pas, mais c'est Palapala ou Mala. Vous voyez, souvent, certains gens font certaines choses, c'est ce qu'ils sont. Voilà une fille qui a chanté Palapala, Palapala, tout le monde a dansé, tout le monde, ça a pris. Mais voilà, elle passe son temps à chercher que les problèmes. Quand tu ne peux pas faire quelque chose dans ton pays, ne fais pas ça aux autres. Voilà une fille comme Mani Bella, qui est dans un pays où son chef de l'État a 40 ans au pouvoir. Vous ne verrez jamais cette fille-là dénoncer ça. Hein? Vous ne verrez jamais. Voilà le stade qui est en train de se détruire, le stade qu'on a construit hier. Vous ne verrez jamais. Tout récemment, elle a fait petit truc, on appelle ça le folklore parce qu'elle était sous pression, parce qu'il fallait qu'elle preste. Depuis un moment-là, non, non, elle est sur la toile. Ils sont là en train d'enfumer le peuple. D'enfumer le peuple. On ne les appelle pas les artistes, ce sont les stars. Un artiste ne fait pas, n'enfume pas son peuple. L'artiste est là pour orienter son peuple. D'abord, ils n'ont pas d'abord la notion, là, la jugeote. Quand tu les vois là, quand tu les vois faire sur la toile, tu sens que ceux-ci là, c'est tout. Ils sont des personnes publiques. Elle a chanté, les gens ont dansé, terminé, s'arrête là. Mais parfois, elle veut sortir de leur cadre. Le cadre que toi-même, tu n'es pas capable d'assumer, Mani Bella. Tu n'es pas capable d'assumer. Voilà comment ça vous mettez les gens dans les problèmes. Voilà les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire. Tu as ou bien ces 800 000 abonnés. Tu passes ton temps à publier les inondations qu'il y a en Côte d'Ivoire. Dans ton pays, il y a plus pire que ça. Dans ton pays, il y a plus pire que ça. Vous ne pouvez pas la voir publier ça. Voilà les ténors qui sont là-bas en train de chercher leur vie. Voilà une petite sœur, ou bien c'est Indira, ou bien c'est qui là, celle-là qui fait les histoires de Jésus, ou bien c'est quoi là. Là, voilà qui est parti à trouver son gars. Samuel Eto, sa femme ivoirienne. C'est bien de dénoncer, mais il faut avoir l'habitude de dénoncer même dans ton pays. Si moi je publie ce genre de vidéos là, c'est le rôle des activistes. C'est le rôle des artistes engagés. Valsero peut publier une vidéo sur la Côte d'Ivoire en montant l'inondation. On sait qu'il est dans son rôle, parce que c'est son rôle. Les Tikendia Fakoli. Beaucoup d'artistes le font. Mais toi, tu n'es pas artiste engagé. Si tu veux être engagé, c'est bien. Un artiste, c'est aussi celui-là qui montre les tas et les avatars, qui est là pour dénoncer les injustices. C'est bien. Qui est là aussi pour utiliser sa voix, pour mettre au profit de l'État. L'État peut oublier quelque chose. Tu les ramènes à travailler. Mais jamais tu ne peux pas le faire. Mais tu es que loin en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous faites demain. Et c'est vous là, depuis un moment, là. Hein, vous êtes le Cameroun en perte de vitesse dans tous les sens. C'est vous qui partez vous produire là-bas en Côte d'Ivoire. Même la visibilité. Quand vous partez là-bas, ils mettent les tapis rouges. Vous marchez au-dessus. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Mani Bella? Que chaque temps, tu es toi en train de publier les choses sur la Côte d'Ivoire. Alors que tu n'es pas artiste, tu ne dénonces pas dans ton pays toi-même ce qui se passe dans ton pays. Tu es en train de chercher les problèmes aux gens. Vous êtes là, vous, quand, ma chérie, tu n'es pas obligé de publier chaque jour. Tu n'es pas obligé de publier chaque jour. Fais attention. Voilà. C'est nous les Camerounais, hein. Ça se limite sur Facebook. Mais les Ivoiriens, ça déborde Facebook et ça passe à la réalité. Vous allez voir, regardez la majorité. Nous, on a d'abord le mauvais cœur dans notre pays. On a le mauvais cœur. Combien de chaînes de télévision invitent les blogueurs au Cameroun? Combien de chaînes de télévision invitent les blogueurs? En Côte d'Ivoire, là, un buzz, on t'invite dans toutes les chaînes. On fait ta promotion pour que tu deviennes quelqu'un. Mais oui, voilà les sujets que vous devez parler. Vous ne parlez jamais de ça. En Côte d'Ivoire, même le pousseur du quartier, même tout ce qui est bizarre là, on invite à la télévision. C'est comme ça que tac, on crée un truc pour toi. Ta vie aussi change. C'est comme ça là. Donc chez eux, je préfère leur rythme de vie. Vous n'avez pas, tu n'as pas la juchote. Donc, arrête de vouloir dire que donner des leçons. Non, fais aussi comme les stars américains. On voit le Snoop Dogg, il est dans son monde. Ouais, ouais, souvent tu vois Snoop Dogg, il se lève, il prend son gay, il est en train de fumer. Il n'est pas là pour donner des leçons de vie à quelqu'un. Parce qu'il sait que lui là, il est un artiste, c'est tout. Il n'a pas de leçons de vie. Maintenant, dans ce qu'ils disent parfois, on capte un truc, on met un proverbe, on dit c'est Snoop Dogg. Mais en réalité, il ne se présente pas comme les donneurs de leçons. Mais c'est vous qui êtes les donneurs de leçons, mais vous faites le contraire. À force d'être là, cherchez toujours à être stable, 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 stable. Vous voyez, vous dégamez même en partant, vous attaquez à la communauté, c'est des plus faibles, les faibles. C'est-à-dire que quand tu attaques sur un sujet, tu rentres sur sa peau. Ou c'est la blonde, on l'appelle qui là, ou c'est Bic, ou c'est qui là, ou c'est la blonde, la coach blonde.
Hein? Toi-même hier là, toi-même hier, il faut reconnaître que hier, toi, tu as voulu être comme elle. Elle est albinos, c'est de nature. C'est naturel, c'est normal. Mais toi, tu as fait le Ndjansan pour devenir comme elle. Mais oui, tu as fait le Ndjansan et maintenant tu as pris conscience que ça ne donne pas. Et même comme ça, tu es toujours dedans. Tu es toujours à côté. Souvent, on voit, vous prenez vos photos, vous êtes sombre comme nous aussi là. Vous êtes sombre. Mais quand vous prenez la photo, c'est toujours la lumière pour montrer. Non, montrer. Quand on dit qu'on a laissé quelque chose, hein, on ne passe plus à côté de ça. Elle dit que même ces photos, on regarde. Ah, c'est bien fait. On doit montrer ton teint. Tu dois montrer ton teint. Que c'est moi ici là en vrai. Que de faire, vous dites que vous avez laissé le Ndjansan, vous sensibilisez la jeunesse à ne pas faire le Ndjansan. Mais c'est tout vous qui êtes à côté. Même vos photos sont filtrées avec trop de lumière. On ne sait pas si c'est ce que vous êtes. C'est vraiment cela. Donc vous devez changer. Donc la jeunesse, d'abord, je ne suis pas là pour m'attarder sur elle. Je vais vous dire, je suis là pour vous ouvrir les yeux à la jeunesse. Arrêtez que quand certains gens passent là, vous les suivez. Non, vous les suivez. Non, arrêtez ça. Ce ne sont pas des exemples. Ça parce que quelqu'un est populaire qu'il a un exemple automatiquement. Non. Ton maître de l'école là, est-ce qu'il est populaire? Mais il a un exemple pour toi. C'est un éducateur. Il t'a enseigné. Voilà les exemples. Ta maman n'est pas connue, non, mais elle est ta maman. C'est elle qui a fait de toi ce que tu es célèbre aujourd'hui. Tu es le grand monsieur d'aujourd'hui là. Ton père, on ne le connaît pas. Mais c'est lui qui t'a inculqué les leçons de vie. Arrêtons de vouloir prendre les autres comme nos exemples. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtons de vouloir prendre les gens parce qu'ils ont fait le make-up, ils ont graissé le corps avant de venir parler. Mais oui, arrêtons ça. Arrêtons ça. Alors, nous on exagère trop. On considère tout le monde comme modèle. Non, on voit les gens, tu vois, même certaines personnes sont là, ils rient. Je ne suis pas abonné sur certaines pages. C'est les publications que moi je vois là. Ah, on partage, je vois aussi. Je dis que ah, donc c'est ce qu'elle a dit là-bas. Donc voilà son niveau. Voilà son niveau. On empête. Ma chérie, tu as chanté un moment de la vie, on t'a connu. Mais tu n'es pas obligé, parce que tu ne chantes plus. Hein? Il faut absolument que tu fasses des publications. Mais non, tu n'es pas obligé de faire des publications. Tu n'es pas obligé. Et il y a beaucoup des histoires là. Tu peux aller chercher les anciennes vidéos de Kit. Tu peux aller chercher les vidéos de Tortue Ninja. Tu peux aller chercher les vidéos de Alice au pays des merveilles. Tous ces styles de vidéos là. Il y a les vidéos pleines là. Pour animer ta page. Pour animer ta page. Parce que ton rythme que tu fais là, tu es vraiment une femme à problème. Tu es une femme à problème, c'est clair. Tu es une femme à problème. Voilà. Tu es une femme à problème parce que ce n'est pas tout qu'on négocie en public. Voilà. Ce n'est pas tout qu'on négocie en public. Et ce n'est pas parce que tu es connue que tu as chanté. Parce que tu es une musicienne, tu n'es pas... Vous êtes des stars, vous n'êtes pas des artistes. Pour le moment au Cameroun là, les artistes, c'est ceux-là qui utilisent leur art pour défendre les causes justes pour le Cameroun. Vous ne défendez rien. Vous ne défendez rien. Donc c'est pourquoi il y a les noms des gens qui sont là sortis dans mon cœur. Vous ne me servez à rien. Il y a vous êtes nombreux là, tous ces histoires, les noms qu'on appelle les grâces des chaos, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Voilà. Je peux faire même ceux-là qui disent que oui, je suis du parti au pouvoir. Voilà. Ça veut dire que tu défends une cause. Que de rester silencieux, on ne connaît pas de quel côté tu es. Voilà. Le jour que tu vas afficher, tu affiches que les plus faibles. Vous êtes tous dans le côté où c'est très facile. Vous ne voulez pas oser. On voit ce temps, les noms, chaque jour, ils sortent là comme entorse. Regardez-moi les faux gens comme ça là. Vous ne servez à rien, les gars. Vous ne servez à rien. Alors, c'est du folklore. Les petits pays là, ils sont là. C'est aujourd'hui qu'ils viennent en Europe parce qu'ils viennent prester. Tu étais au dépôt pour dire ça. Il faut dire ça quand tu es au Cameroun. On va comprendre que tu es garçon. Dis que ne rentrez pas au Cameroun quand tu es à Bomono. Vraiment, ça ne va pas ici. Les moustiques me piquent. Mais c'est parce que vous voulez arracher l'âne dans les mains des gens. Il y a beaucoup de cafards là-bas. Il y a beaucoup. Laissez ça. Ce n'est pas votre rôle. C'est notre devoir. Aujourd'hui, il y a aussi les artistes et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là aussi, nous-mêmes, nous sommes des artistes. À notre niveau. Laissez-nous parler de ça. Nous, on a l'audience. Voilà. Arrêtez, parce que vous avez le micro, arrêtez de partir au Cameroun. C'est tout le monde qui doit rester dehors. C'est pas tout le monde qui doit rester dehors. En chutant, c'est pour m'adresser comme ça aux petits frères qui sont en train de pleurer partout au Maroc, là, tout et tout. Voilà les courageux. Voyez comment vous êtes en train de braver la frontière. Vous bravez les frontières. Vous bravez les policiers. Vous bravez les coups de feu. Comme ça, hommage à tous les beaux ailleurs. Hommage à tous les beaux ailleurs. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit continuer à vivre? La vérité, c'est ici, là. Oui, la vérité, c'est ici. C'est quoi, il a dit que non, Banga, il y a un voyage, je ne puis pas faire quoi dehors.
Je ne voyage plus. Vous avez dit ça depuis. Moi, je ne voyage plus. Je n'ai pas fait le tour du monde pour courir encore. Je ne vois. C'est ici, là. Il ne m'a pas de Range Rover, ça et tout dit. Vous ne comprenez pas. Vous dites que je suis sérieux. Non, Banga Diaspora, tu vas voyager. Je ne voyage plus. Je tourne mon tapis quand je mange. C'est ici. C'est ici. Il y a là les autres dehors. Pourquoi je vais encore voyager? Les gars sont là dehors, les femmes, les Sandy de Boston, tout ça, tous les autres là, les Amazones, tous les garçons, les Betty, le Camille, les Calibri, Calibro, les Marc Seignon, Ivoire, les Boris Beto sont là dehors. Est-ce que moi je suis obligé d'être dehors? Même dans un front, il y a ceux qui sont à distance, il y a ceux qui sont en guerre. C'est comme ça. Ou le problème, si moi j'ai décidé de me sacrifier. Alors, moi, vous avez dit que ma voiture, c'est quoi j'ai dit la dernière fois? Hein? La dernière fois, j'ai rencontré Michel Doki. Il a dit que tu insistes, tu persistes. Il a dit que j'insiste, je persiste. Donc, on a dit, pendant que moi, je regarde la Range Rover, hein, toi, tu regardes que la place de... Attends d'abord, les choses avancent. Que le président, comme tu prends le pouvoir, hein, nous, on entre et tout dit, on récupère la... Moi, je prends la Range Rover. Maintenant, toi, tu prends la place de... Elle dit que Niette, qu'elle ne veut pas. Qu'elle persiste, elle insiste. L'autre jour, on s'est vu au parcours Vita. Hein, vous êtes là, vous ne comprenez rien. Oh, Bangal Diaspora, le grand s'y parle ou quoi comme ça, là. Ah, je parlais, mais attendez. Je parle de mes projets. Ça vous dérange? Chacun doit avoir ses projets sur terre. Tant pis pour toi si tu n'as pas de projet. C'est pourquoi parfois vous avez l'argent, ça vous rend fou. Et que l'argent est fini, je n'ai rien fait avec. Tu n'avais pas de projet. Moi, j'ai mon champ de canne. Voilà, donc ma Range Rover là. Comme c'est puissant là. Je vais prendre ça, ça va me porter les cannes. Et c'est long. Voilà. Donc quand je porte, quand je passe souvent, je change, je porte les cannes avec mon pick-up là. Je suis obligé de couper certaines cannes. Parce que c'est trop long. Avec la Range Rover qui a étudié là. Je suis sûr qu'avec ça, je n'ai pas de problème. Voilà. Et je n'enlève pas le macaron. PRC, présidence de la République du Cameroun. Voilà, je laisse ça là, comme ça. Parce que je suis que le président Maurice Kamto n'aura pas besoin de ça. Quand il sera étudié. Voilà. Je suis que le président Maurice Kamto n'aura pas besoin d'arranger. Voilà, c'est trop gros pour lui. Il s'intéresse pour des trucs comme ça là. Voilà, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, voilà. Nos petits frères qui sont là-bas, vous bravez la police, quel courage! Quel courage! Voilà les gens qui sont prêts à se sacrifier pour le bonheur. Mais est-ce que vous savez que le bonheur là, c'est ici là? Parce que personne ne viendra nous sauver là-bas. Nous tous sommes passés là-bas, non, Perica? Et puis on a fait la Libye, tout ça. On te poignarde même, personne ne vient te rendre visite. On s'en fout. J'ai perdu un ami au Nambélé. Hein? On l'a poignardé jusqu'il est mort. Parce que quand tu entres dans le bus à Tripoli, quand on entre dans le bus, avec les lois, le charia là, tu entres dans le bus, tu vois, tu entres dans le bus, tu es assis. Voilà deux filles qui entrent. Moi, je me lève, moi, on en dit que, ah, man, je me lève pas. Quand on sort du bus là, comme je les connaissais, on les appelle les Asthma Boys, pour ceux qui ont fait les gangsters là, comme les hooligans. Les Asthma Boys, ils sont tous avec le couteau. Comme on sort, il dit, man, commençant à courir, il dit que, ah, dis donc, man, on a trop joué, je suis fatigué. Comme ça, on est venu, on a poignardé au Nambélé. Moi, alors, j'étais là, parti depuis. Il a couru, parti. Le gars arrivait avec le sang, tranquille. Il était en train de perdre le sang. Ça, le gars est tombé dans le combat. Comment il est mort? En Libye, à l'époque. Donc, c'est pour dire que quoi? Ces gens-là ne nous aiment pas. Ces gens ne nous aiment pas. Donc, quand tu es là-bas, là, méfie-toi de ta vie, petit frère. Au lieu de mourir pour rien, non? Meurs pour une cause. C'est pourquoi il a décidé de mourir au Cameroun. Les gens ne demandent pas où mon courage vient. Mais je ne peux pas voir tout ce que j'ai vu dans ma vie là. J'ai bravé la Méditerranée, le désert, les cancans pays chez les autres, la maltraitance, hein, le racisme, pour venir avoir peur dans mon pays, dis-moi. Qu'est-ce qu'un militaire va me faire ici que je n'ai pas pu avoir dans mon, à l'extérieur? Dieu, on te traite sans sentiment. Mais ici là, même quand un militaire te torture, il est obligé de mettre sa tête au sol parce qu'il ne peut pas te regarder dans les yeux. Il connaît. Parce que personne n'est éternel. Mais oui, voilà, n'importe qui que voilà le colonel Bancu qu'on a appelé à la retraite. Pour moi, ça ne m'intéresse même pas. Pour moi, c'est un sujet, ça n'a pas de débat. Parce que moi, je connais que tout ce que tu fais là, nous sommes tous de passage sur terre. Voilà le but de mon combat. Voilà. Que je n'arrive pas, que j'arrive. Mais ce qui est sûr, qu'il y a des gens qui vont finir par atteindre le but dont j'avais besoin. C'est tout. C'est ça la vie. L'essentiel, c'est que moi aussi, j'ai commencé. Ou bien j'ai fait ma part. J'ai commencé à mon niveau. Il y a les autres qui vont venir prendre après moi. Qui vont comprendre que hey, ce que le grand là faisait, c'était bien. Je ne cherche pas à vous dire que non, vous êtes inconscient. Tant pis pour toi. Chacun a son temps de se lever pour réclamer quelque chose. C'est clair, chacun a son temps de réclamation.
Chacun va lire, c'est tout. Comme n'est pas, j'ai vu Serge Tamba, là, il parle, ouais, c'est la nourriture, que la nourriture. Non, c'est le temps de lire pour chacun. Chacun va lire, c'est clair. Chacun va lire. Mais c'est mieux de lire du côté des faibles que de lire alors que toi-même tu es dans la mangeoire. Tu lis quoi? Il faut te taire. C'est pourquoi la mafia parfois vous abat. Voilà, les, tu sais, dans la vie, comme j'ai toujours dit, dans la vie, quand tu sais que tu as décidé d'être avec la mafia, soit avec la mafia à vie. Quand tu as fait les pays comme la Malte, Pologne, un côté de l'Italie, ils ont les lois là-bas, la vendetta. Hein, la vendetta, ça veut dire que si tu te comportes mal, quand tu tues l'enfant de quelqu'un, tu tues aussi ta part. Voilà, la mafia. Et quand tu trahis la mafia, on te tue, on s'occupe de tes enfants. Même ta femme, même ta mère, même tes parents ne disent rien à la police. C'est comme ça. Donc voilà les gens qui sont là en train de côtoyer tous les gens du système, en train de faire la talakou du système. Mais demain il y a une erreur, mais tu te calmes, dis man. C'est pas... Vous savez, si un jour on était sardina comme vous là, je ne dénonçais jamais rien. Et donc, tout ce qui est mauvais là, tu dois dire que c'est bien. Sinon tu n'appartiens pas à la mafia. C'est clair. Ce n'est pas votre devoir de dénoncer. Restez dans votre domaine là. Vous avez dit que vous allez supporter. Supporter jusqu'à la mort. Voilà les exemples. Les chats là, ils sont où? Les messangas Nyamding sont où? On ne dénonce pas la mafia quand on est dedans. Et à un moment de la vie, quand tu as là, trop mangé là, tu dénonces, on te tue. Mais oui, oui, tu dénonces, tu tentes, on te tue. Il y a les fabrications ici là, tu ne connais pas là, ils sortent. Tu te demandes comment ils ont fait pour atteindre là-bas. Mais le gars, ce que vous voyez ici à Equinox là, il prenait souvent les, avec la moto, tout et tout. Mais comment sa vie a changé subitement comme ça là? Tout et tout. Ils sont nombreux là, ils sont même devenus les bah, députés. Nous tous on connaît comment ça se passe. Vous dites que non, il ne peut pas bagarrer pour telle cause. Il y a les causes qui s'y tentent. Vous voyez son cadavre demain quelque part. Parce que c'est la mafia qui l'a fabriqué. Donc tu ne peux pas te retourner contre nous. La mafia ne touche pas ceux-là qui n'ont jamais mangé avec eux. Mais quand la mafia décide que bon, on va te voir, tu veux combien? Je veux 500 millions. Tu te tais à jamais. Tu te tais à jamais. Vous avez vu, non? Le commissaire Benenon, mon frère de Mbangala, non? La déclaration qu'il a fait là. Mon frère de Mbangala, le commissaire Benen, qu'on avait révoqué, que l'autre là a profité pour les révoquer pour une fausse affaire. Hein? Avec le marchandseur Félix Zogo. Le commissaire Zogo là. Et Beneko, voilà, c'est mon grand frère Mbanga. Hein. Mon grand frère Mbanga se connaît très bien. L'ancien commissaire de police là, qui est en asile au Canada, mais il est en France. Attendez, mais il a fait un audio. Comment il dit, comment il était parti donner ses 500 millions à John Fundi. Il n'y a pas l'audio là. Attends, vous croyez que c'est facile? Quand tu as donné les milliards, tu manges, tu as les avantages, ton fils, il est sous-préfet. Hein? Et tu as dîné avec eux. Mon ami, tu tentes, tu meurs demain. C'est la mafia, parce que tu joues ton rôle de faux opposant. Voilà, maintenant on a fabriqué l'autre. Il est aussi là, il joue son rôle. Il y a les vraies choses qu'il ne peut pas. Il peut venir s'attaquer à une personne. Que le ministre tel des mines, tu as fait comme ça. C'est comme ça là. Oh, l'affaire de. On a rien cassé là-bas. Le vrai député qui est courageux, qui porte hein, son truc là, son vert ou jaune là. Il accroche là. Il dit que bon. Dicolo, comme vous allez casser demain, demain je suis là-bas. Les caterpillars viennent devant toi, tu ne bouges pas. Alors que tu es comme une mère poule qui protège ses poussins. On va comprendre que tu es un vrai député. Mais oui, c'est vrai. On va comprendre. Mais vous ne pouvez pas. C'est le folklore. On casse à Youpé. C'est quand on a cassé qu'ils apparaissent toujours. Alors qu'ils viennent, c'est les pyromanes en fait. Ils viennent après le drame. Vous ne les verrez jamais avant le drame. Jamais. Tu es député de la nation, pourquoi tu viens toi après? Mais attends, donc ça veut dire que tu n'as pas un député, c'est aussi celui-là qui a ses hommes de main dehors. N'est pas on voit la communauté ici là, les mains ont les hommes de main, les hommes de main dehors. Hein? Quand tu es en train de construire ta maison, tu veux voir directement la mairie apparaît, ou bien la communauté. Ils ont les hommes de main dehors. Même dans le gouvernement, que mes députés, tu sais que on va casser que tel jour, non? Mais oui, on va casser tel jour, c'est comme ça. Même dans le gouvernement, même le préfet, tu peux l'appeler. Mon gars, vraiment, donne-moi l'information. C'est comment, non? Voilà. Non, le caterpillar, c'est là demain. Demain, là, tu portes le vert rouge. Hein? Tu viens là que bon, tuez-moi. Tuez-moi. Le message sera fort. C'est qu'on a démoli tout. Les gars, ne comptons sur personne. Arrêtez ça. Ne comptons sur personne.
C'est nous seuls là, changeons notre vie. Pourquoi je dis à la jeunesse, arrêtez ça. Que d'aller mourir là-bas, même ton cadavre, tu ne dois pas voir. Nous, on a commis les erreurs hier. S'il fallait refaire le monde, pourquoi vous voyez dans certains pays comme en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, autant pour moi, la politique est violente là-bas. Pourquoi? Parce que la chose politique, hein, la chose publique, ils sont au courant. Regardez au Sénégal. Hein, regardez au Sénégal. Vous croyez que si le président là, Sanko, Sonko là, avait mangé, ils font le but demain. C'est vous qui dites que non. On a les pseudo opposants. À part Maurice Kamtoula, le reste là, c'est les fabriqués. Parce que quand la mafia t'a donné quelque chose pour manger là, tu ne peux pas. Ils sont nombreux, non? Je n'ai pas appelé le nom de certains. Ils ne servent à rien. Moi, je suis plus important qu'eux. Je suis moi, parce que le jour que je suis sûr que si un jour je dis que je m'en vais aux élections, j'aurai plus de voix plus qu'eux. Voilà. C'est les gens qui sont venus là en croyant que c'est le game. C'est quand ils arrivent, ils comprennent les réalités, mais ils sont déjà dedans. Ils sont dedans. Tu peux tenter de dénoncer les vraies causes. Chacun va à l'Assemblée nationale. Chacun peut dire que bon, je suis un petit conseiller dans une mairie là-bas, ou bien un petit maire, je peux crier là, je peux jouer mon film. C'est moi le député, tu me connais, mais on connaît que tu n'es pas député. On a rempli, vous savez, vous êtes en train de remplir les formalités. Vous êtes député comment? Les vrais députés, on les connaît. Mais oui, les vrais députés, on les connaît. Les vrais opposants, on les connaît. Hmm? Les vrais opposants, quand ils disent qu'ils ont meeting demain, là, c'est la police, c'est tout. Mais vous, là, vous n'avez rien, vous ne représentez rien. Voilà, vous ne représentez rien, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères. Dans la jeunesse, en Algérie, là-bas, tout ce que je peux dire, j'interpelle les ambassades. Allez sauver nos frères qui sont là-bas. Allez sauver nos frères qui sont là-bas. Voilà, je te vous dis. Tous ces gens-là ne nous aiment pas. Parfois, on libère les frontières parce que l'Union européenne n'a pas donné l'argent, n'a pas subventionné. Ils ouvrent les frontières qu'elle a entrée. Ils ouvrent les frontières. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous servir de chien à canon, les gars. Mais oui, on ne peut pas vous servir. On ne peut pas passer notre vie comme ça, là, à se servir de nous comme les animaux. Nous sommes les Africains quand même. Nous sommes les êtres humains. La jeunesse, vous allez comprendre quand. Voilà pourquoi moi, Mbanga Diaspora, petit frère, vous croyez que je n'ai pas à perdre? J'ai mes enfants ici. J'ai femme ici. L'exemple a montré comment je suis dans les risques. Regardez bien. Ils sont venus chez moi, ils ne m'ont pas trouvé. Ils ont porté ma femme. Vous voyez un peu la chose? Mais on est là, non? On est là. Non, quelqu'un dit que non, mon ami, le peuple est là. On va te soutenir. Le peuple est là. Tu ne parles pas aux animaux. Tout à l'heure, là, le direct, là, après ça, tu vas voir que 5 000 vues, 10 000 vues, 20 000 vues, sans compter ceux qui sont dans la fenêtre. Les vraies vues, c'est dans mon entier actif, là. Tu vois les gens qui t'ont vu. Vous voulez quoi? Quand tu bagas pour les vrais causes, tu ne souffres pas. Voilà Yitembe. Yitembe qui est sorti de la prison. N'est pas Richard Bonnard a compté 38 000 fois 12. Moi, à l'époque, je suis parti en prison. Tu connais combien je lui ai donné? Sans compter les autres, les associations. Le jour que je suis parti, là, j'ai trouvé une association. Belge qui était venu le voir. Mais oui, quand tu luttes pour les vrais causes, tu ne manques de rien, les gars. Les gens, vous avez peur de quoi? Venez au Cameroun, on assainit tout, on arrange. Après le combat, ce n'est pas tout le monde qui va profiter, mais ce sera au moins bien pour chacun. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas servir de chien à canon comme ça. Les ambassades. Ok, sauf si vous partez inonder les ambassades là-bas. Moi, tout dit, si je pouvais encore refaire l'aventure un jour. C'est comme je parle là, je suis bloqué comme ça là. Je ne peux pas dormir dehors quand j'ai l'ambassade. Jamais! Mais on voit les gens qui dorment dans la rue alors que l'ambassade est là. Avec tout un gros domaine. Que le feu présent à Idjo a acheté à l'époque. Il a tout. Il a acheté les domaines. Les Camerounais dorment dehors. Vous dormez dehors, qui est les ambassades dehors? Ah, affichez-moi le candidat. Moi, je ne peux plus aller dans un pays. Hein? Qui a les chancelleries là-bas camerounaises. Je dors dehors. Jamais! Il va aller que. Je suis allé dans un pays, non? Le temps qu'on m'envoie là en West Union, je suis parti porter mon sac. Je suis venu rester là devant. Ils ont tout fait. Que non, moi, je vais dormir comment? Moi, je n'ai pas l'argent. Le temps que je reçois l'argent, on m'a trouvé la chambre et j'ai dormi. Mais oui, j'ai dormi. C'est clair. Ah, vous êtes là, vous dites que vous criez. Qui va venir vous sauver? Vous êtes dans le pays des autres. Arrêtez d'aller vous faire tuer pour rien. Non! Et là, c'est notre combat. Ça veut dire que vous voulez traverser maintenant avant de risquer encore maintenant pour traverser la Méditerranée. Donc, triple risque. Alors qu'ici, là, c'est un tour. Sur le système, si on les renverse, tac. Regardez la foule que vous êtes sortie là. Parce que 2000. Et dans les 2000, là, ça veut dire qu'il y a au moins 1000 Camerounais. On organise les marches ici là. Vous étiez au Cameroun. Personne n'a le courage de sortir.
Maintenant, vous partez mourir pour rien, Joe. Mon les gars, bêta non, je meurs au Cameroun. Bêta, je meurs au Cameroun. Oui, oui, je meurs au Cameroun. Je meurs ici, on m'enterre dignement. Vous allez, vous serez à mon deuil. Mais là-bas, là où tu vas mourir, là, mon ami, Abeda, tu es un esclave. Tu n'as aucun respect. Hein? Peut-être comme ça. Et dans tout ça, il y a ce qu'on appelle le trafic d'organes, trafic de tout. Parce que dans la foule, là, chacun est là pour son business. Hein? Et nous, on connaît tout. Chacun est là dans son business. Nous, on connaît les policiers, là, les agents d'immigration, ils ont les connexions. Il y a ceux qui disparaissent même. Il y a les amis qu'on n'a jamais vus jusqu'aujourd'hui. Oui, avec la complicité des hauts gradés. Avec la complicité des hauts gradés. Oh, peut-être on est en train de chercher un ring. Facilement, on te prend là. Hein, on part, on t'exécute, on te tue. Si combien de fois on a fait le pays où tu pars sans ta volonté. On t'injecte, tu dors et on t'enlève un ring. Tu découvres ça après les années que tu n'as plus un ring. Combien de fois là-bas, dans l'embuscade là. Il y a les gens qui ont les commandes des rings. Donc le vrai courage là, ce n'est pas là-bas. On n'est pas courageux dans un pays neutre, dans un pays qui n'est pas son pays, devant les armes d'un autre pays. Non, on n'est pas courageux. On n'est pas courageux. C'est ici le vrai courage là. Le vrai courage c'est ici. C'est quoi dire que l'homme le plus courageux du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Il y a un courageux qu'on ne parle pas trop de lui. Parce qu'on dit que non, c'est un homosexuel, c'est un si, cela. Shakiro qui est au Cameroun là, c'est un courageux. Pourquoi? Parce qu'il a défendu sa cause. Bec et ongle. Et puis il est parti. On ne connaît pas si c'est vrai ce qu'il était. Même si c'est vrai, il a eu ce qu'il voulait. Il n'a pas risqué sa vie pour dire qu'il a risqué sa vie qui est ici là. Tout commence qui est ici là. Shakiro, c'est un courageux. On était tous contre lui. Il dit que jamais. Il sort d'une gata. Il chope. Vous bastonnez. Il est parti. Donc, regardez bien, dans sa vie, disons que tu vas mourir à 60 ans. Shakiro a sacrifié 2-3 ans de sa vie. Intense. Combat contre tout le monde. Contre la rue. Contre le système. Contre les réseaux sociaux. Il a vaincu. Donc, Shakiro peut écrire un livre un jour. Les preuves sont là. Donc, ça veut dire que Shakiro est plus courageux que toi. hommage à Shakiro. Tiens, gars. Non, tu es un sac de gars. Il a toujours dit que c'est un gars courageux. Non, pourquoi tu... Non, c'est un gars courageux. Il a défendu sa cause. Et il n'est pas allé loin. Hein? Il n'est resté qu'ici. Je connais les activistes bloqués dans plusieurs pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis, ils n'ont pas eu le passeport. Maintenant, ils ont bien le statut de réfugié. Mais ils sont bloqués parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un passeport. Shakiro est resté ici. On a ordonné, vous avez fait un passeport. Et oh, il a eu le visa. Il est parti. Donc il vous a gagné, il est fort. La vie c'est la stratégie. C'est ici là. Eh oui. C'est parce que moi j'ai un voyageur. C'est parce que moi j'ai un voyageur. Moi, ce que j'ai là, il m'a pas ici. Oh oui, oui, oui. Voilà. Voilà. C'est parce que moi je suis là un voyageur. Ce que moi j'ai là, il m'a pas. Voilà. Mon frère, tu ne connais pas mon histoire. Laisse. Connais ce qu'il veut dire kidnapper sa femme. Toi, tu pentes tortue. Mon ami, nous sommes passés par là. Vous parlez quoi là comme ça là? Voilà. Le courageux, c'est celui qui ne trompe pas le combat. On peut être courageux. Même l'Indjamin, c'est le courageux. Vous comprenez? Même l'Indoki, c'est une courageuse. Mais c'est qu'à la fin, il trompe. Être courageux n'est pas parce qu'on t'a torturé. Non. Je ne prends pas ça comme un fond de commerce. Parce que maman m'a torturé. On a enlevé ma femme. Mais je ne prends pas ça pour dire que je suis le plus courageux ou bien je suis le meilleur combattant. Non, 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 non. Non, non. Nous tous, on combat. Hein? Mais l'essentiel, c'est que le vrai combattant est celui-là qui va aller jusqu'au bout sans trahir. Voilà. Tu peux te retirer peut-être parce que tu ne t'entends pas avec les autres, mais sans trahir. Comme on dit, le meilleur ami, ton meilleur ami, c'est pas tout celui-là qui est avec toi matin, midi, soir. Ton meilleur ami est celui-là avec qui tu te sépares, mais qui ne te trahit jamais, quelles que soient vos séparations. Si tu quittes un ami et que tu parles trahi, ça veut dire que tu n'étais pas son ami. Voilà. Le temps finit par donner raison à l'autre. Donc ne laisse pas que le temps donne raison à l'autre dans la vie. C'est ça. Les gens ont quitté. Mais oui, après on a vu le sabotage contre la personne du président Maurice Kamto. Est-ce que tu vois un peu? Les autres ont quitté, on a vu le sabotage. Parce que quoi? Ça devient un fonds de commerce pour toi.
Alors que tu n'as pas besoin de soi. Quand tu quittes là, reste dans ton coin. On a vu des gens ici qui ont fabriqué leur nom sans parler de Moïse Kamto. Hein. Ah oui. C'est comme sur la toile. Tous ceux qui passent leur temps à parler de la vie des gens, ne suis pas avec toi. Même dans la vie réelle, ne suis pas ton ami. Parce que la vie des gens te sert de sujet. Alors que tu manques les sujets. Alors que notre pays a trop de sujets. Il peut pleuvoir, tu passes sur le pont du Vouru, tu manques de l'inondation. C'est simple. J'ai les vidéos, les simples vidéos là, je m'en vais dans une banque. Je dis qu'il n'y a pas de compteuse. Regardez une banque comme ça en Indonésie, regardez. Au Cameroun, il n'y a pas ça. Mais est-ce que je manque, c'est ça? Je vois, je suis là-bas, à 800 000 vues. 800 000 vues. Donc le Cameroun a tellement de sujets. Il y a les enfants qui marchent torse nu là, sans caleçon. Hein? Vous êtes là, mais vous allez voir, il y a des enfants qui marchent torse nu. Tu ne flashes pas l'enfant, mais tu fais un direct pour parler de ça, que les femmes, les mamans, non, arrêtez. C'est un danger. Ce n'est pas bien de laisser les enfants torse nu. Mais il y a des gens ici dehors que s'ils viennent à côté de toi, c'est parce que tu as une petite réputation. Si tu te dis bonjour le matin, bonsoir le soir, c'est parce que tu as une petite réputation. Et demain, c'est pour mettre au carrefour. Vous allez voir le temps quand il te clash. Mon ami, tout à l'heure, je vais vendre mes produits. Et je n'ai pas dénigré quelqu'un. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai pas insulté quelqu'un comme moi. J'ai porté critique sans insulter. Sans te descendre, sans dire comment tu es misérable. Je n'ai pas besoin de dire ça. C'est parce que quoi? Je ne suis pas là par hasard. Est-ce que vous comprenez bien? Donc c'est pour dire que dans la vie, il faut beaucoup se méfier, les gars. Méfions-nous. Il y a beaucoup de choses à faire au Cameroun, les gars. Hein? Le vrai combat, c'est ici. Regardez au Sénégal, comment la jeunesse est debout. Amadou Sanko, il dit que taper, on va chanter ce soir. Tout le monde chante. Le même courage qu'on a là-bas, c'est ça qui m'a donné le courage. J'ai dit que Mara Diaspora, mais mon courage ne sort pas des pays où il y a la paix. Mon courage sort de là où je croyais que j'étais derrière mort. Je croyais que j'étais derrière mort. Je me souviens en Libye. Je me souviens au Tchad. Je me souviens au Tchad. Dans la ville de Faya Lajo. Oui, Faya Lajo. Arrivé là-bas, voilà quelqu'un qui dit qu'il a le réseau du visa de la Libye. Je donne mon passeport. Le gars prend mon passeport. Il revient après 3 jours, il me dit qu'il n'a pas pris le visa. Mais il me dit que je dois lui donner mon téléphone. J'avais mon T100 que j'avais. Je dis jamais, je vais te donner mon téléphone. C'est comme ça, à la veille, on me vole mon téléphone. Pour mon téléphone qui cherche là, on me cote, on m'amène au nid. On a mis le plastique sur mon dans ma, on m'attache. Je pouvais mourir, on me jette là-bas. J'ai voulu succomber au Tchad. La ville de Faya Lajo, dans mes aventures. Donc quand je revois tout ça, le désert, la traversée, tout ça, mais ça me remonte. Mais j'aurais peur de quelqu'un parce qu'il est colonel. Donc tu penses que moi là, toi là où tu es là, là où la distance que tu as traversée là, ce que tu as vu dans ta vie là, un commissaire doit te faire peur. Un commissaire ici ne paye pas son concours. Il ne paye pas à l'école ici là, à Yaoundé, il fait ses 2 semaines. Il part à l'école de guerre, comment tirer les armes. Mais toi là, ta formation, souvent c'est 1 mois, 2 semaines. Souvent c'est les années. En patience, tu es formé, tu connais patienter. Combien d'années tu as attendu l'asile pour qu'on te donne ça un jour? Combien de nous ici là, la lettre vient qu'on t'a accordé l'asile. La lettre arrive à la maison, dans la boîte à lettres. Ton ami prend, il cache, par bahat. Tu découvres qu'un jour que non, on t'avait là confirmé depuis, il fallait seulement venir chercher ton kaolo. Mais ton ami prend, il cache. Combien tu as patienté pour attendre ta femme? Combien de temps tu as patienté pour attendre ton mari qui était parti depuis? Combien de temps tu as patienté pour avoir les papiers? Et tu as peur que non, le combat que je commence au Cameroun là, ça va finir quand? Ça va finir. Ça va finir. On n'a que commencé hier. Tu as peur. Donc tu n'es pas sûr que ça va finir. L'essentiel n'est pas que tu sois vivant. L'essentiel, c'est que ça va atteindre à ses fins. Les Wangé Ernest, les Félix Moumier, les Martin Paul Samba, les Douala Mangabe, ils ont fait pour eux, les autres ont continué. C'est ça la vie. C'est toujours un combat. Voilà la dent de Patrice Lumumba qu'on a remis l'autre jour. Ça fait partie du combat. C'est parce que les autres sentent que c'est chaud devant. Ils sont obligés de commencer à remettre. Même nos arts. Hein, culturels, qui sont partout là, à Kéblanri là, un matin on va nous remettre ça. C'est parce que chaque jour, on ne les laisse pas dormir.
Nous sommes là 600. Si tu avais partagé, on devait être nombreux. Parce que là, c'est un vrai débat, non? Mais si c'était le sang caleçon, le mbrakata, on est en train de détruire la vie de quelqu'un. On devait être à 2000, 3000 en train de rire. Jusqu'à mettre même les cœurs, les étoiles, donner l'argent. Mais comme Banga Diaspora parle, il a dit que soutien pour mes actions que je mène. Voilà le soutien. Voilà, il y a Orange Money, il y a MTN Money. Ne demande pas ce qu'il fait avec. Parce que chaque jour, vous voyez comment j'ai aidé les gens. C'est l'argent de ça. Et le 17, il y a l'anniversaire du centre de notre soeur, la reine galloise. Donc moi, je serai là-bas. Voilà, le 17. Donc, accompagner aussi la reine galloise pour l'anniversaire de son centre, pour venir en aide aux personnes désœuvrées. Voilà, aux enfants autistes. Voilà. Et soutien aussi Mbanga Diaspora pour les risques qu'on prend là. Parce que quand on fait comme ça, là, nos activités sont restreintes. Il y a des places qu'on ne peut pas arriver. On arrive mais on nous bloque la route. Je connais quelqu'un, un grand frère, qui est dans RDPC. Il me commandait beaucoup de commandes de Cannes. Mais depuis un moment, il a arrêté ça. Il a arrêté. Oui, il a arrêté. Donc toi là, je ne peux que compter sur toi. Oui, je ne peux que compter. C'est sur vous que j'ai espoir. Pourquoi je compte sur qui? Quand il fait ça. Je n'ai plus de relation. Tu ne peux pas avoir une vraie relation. Tu as quelle vraie relation? Pas tout le monde te fuit. Oh, oui, oh Mbanga, c'est comment? Oh, vraiment, j'ai aimé ce que tu as fait. C'est un magistrat qui te dit ça. Mais il ne peut pas s'afficher. Il a peur. Donc ma relation, c'est vous. Vous savez que je n'aime pas faire les directs à plus d'une heure de temps. Donc vous allez voir parfois, l'autre jour, il y a une femme là qui me dit, Mbanga, il faudra penser vendre tes produits. Mais oui, merci à toi, ma soeur Suzanne Ganche. Parce que tu as vu que j'étais là à 1h30. Et tu sais que je n'aime pas déborder l'heure là. Parce que quand c'est trop là, c'est moche. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, voilà. Donc il y a la plantation à vendre. Il y a le champ, il y a le terrain à vendre du côté de Yassa. Le mètre carré, 17 000. Voilà. À PK 17, il y a le terrain à vendre. Le mètre carré, 12 000. Voilà. Il y a le terrain en Ngombe. Le mètre carré, 5 000. Voilà. Il y a le terrain à Kribi. Le mètre carré, 5 000. Voilà. Il y a le terrain à vendre à PK 24. Le mètre carré à 8 500. Il y a le terrain à vendre à Lorbessou. Voilà. Le mètre carré, 30 000 francs. Il y a une plantation à vendre. Voilà. L'hectare, 50 hectares. L'hectare, c'est 1 500 000. Voilà. Donc, il y a aussi l'envoi d'argent. Le numéro est là. Palestin, envoi d'argent. Voilà, il y a le numéro d'envoi de cargo. Si tu veux envoyer les cargos du Cameroun, de la France au Cameroun, tu appelles le numéro de Palestine, le numéro de la France. Si tu veux envoyer l'argent, où que tu te trouves, du Cameroun, en France, Italie, partout où tu te trouves, même si tu veux le cash, même si c'est 500 millions. Félix, bon, le numéro italien qui est là, fidèle autant pour moi, fidèle, il va te donner le montant que tu veux. Il a les Orange Money partout au Cameroun. Et il est partout en Europe. Lui-même, il vit en Italie. Si tu veux, il peut même se déplacer. Si c'est 20 millions, si tu veux 20 000 euros, si c'est 30 000 euros, si c'est 50 000 euros, Fidel se déplace, il vient te donner le cash. Son numéro est là. Le numéro WhatsApp est là. Et si tu veux me contacter pour plus d'informations pour les terrains, appelle-moi au 683 40 97 55. Voilà. Soit au numéro WhatsApp plus 62 812 125. 244-98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62-812-125-244-98. Mon numéro direct, c'est le 683-40-97-55. Voilà mon numéro direct. Pour tous ceux qui ont besoin de terrains, de champs, même maison. Il y a une maison à vendre à Lorbessou toujours. Sur 250 mètres carrés. Il y a un côté qui est vide, 250 mètres carrés. Le montant, c'est 75 millions. 75 millions. Lorbessou. Voilà. Donc maintenant, passons à mes produits phares. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, tu montes sur la femme, tu n'arrives pas à faire 10 minutes, 5 minutes, tu as déjà joué. Je vous présente le Super Love. C'est un best-seller. On a le stock en France, on a le stock en Belgique, on a le stock en Italie, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Voilà, c'est un très bon produit. Vous savez, c'est aussi un autre combat. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas été d'accord avec l'un de mes frères combattants. Voilà, quand il a parlé de la venue de Amon Chik au Cameroun, c'est très important. Il faut aussi avoir le coach d'amour. Parce que le manque de sexe dans nos couples détruise les foyers. On retrouve les enfants abandonnés de tous côtés, les femmes abandonnées elles-mêmes. Voilà, l'homme va ailleurs. Et ce qui est sûr que cet homme-là sera toujours déçu. Voilà la solution à vos problèmes. Voilà la solution à vos problèmes.
Donc, si tu as besoin de ce produit-là, ce n'est pas buvable. C'est le produit bio fait à base de plantes naturelles. Super love, best-seller. Voilà, dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Dans chaque sachet, tu ouvres selon ça. Tu mets le tissu humide sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies le savon avant de passer à l'acte. Comme tu fais là, ce paquet-ci de 6, ça peut te faire un mois. C'est préventif et curatif. Voilà. Quand tu montes sur madame, tu peux taper une heure de temps. Tu sais, à un certain moment de la vie, on ne veut plus faire le sexe chaque jour. Mais le jour qu'on veut faire, il faut se satisfaire. Et tu ne peux pas seulement te satisfaire chaque jour. Ça, c'est être égoïste. Voilà. Satisfais aussi ta compagne. C'est ça qui va faire, qui va apporter la longévité dans le couple. L'endurance dans le couple. Un couple soudé, c'est aussi les affaires de sexe. Vous voyez souvent les couples où la femme n'a plus le temps de servir son mari à table. Tu vas souvent voir. Le nœud du problème, c'est que l'homme là ne donne plus bien au lit. La majorité des temps. La femme passe souvent dehors chercher ce qu'elle n'a pas pu avoir à la maison. Voilà, c'est pas parce que tu as tout donné. Tu peux tout donner à une femme. Mais si ça manque là, le manque, si elle ne juge pas, c'est le problème. C'est une bombe à retardement. Ce qu'elle va te faire, tu vas Wanda, que c'est la femme qui me fait ça. Arrêtez le bruit là. Arrêtez le bruit là. S'il vous plaît. Voilà, tu vas dire que c'est la femme que j'ai connue avec qui on a 5 enfants. Eh, pardon. Donc, s'il vous plaît, voilà, mettez-vous à l'aise. Voilà le produit, super love, best-seller. Et quand tu fais comme ça, tu peux taper une semaine sans encore faire. Parce que tu es à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, veuillez m'appeler au 683 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. On a aussi ceci, le stock. On a aussi le stock en France. Voilà, on appelle ça la goutte, le produit de la goutte. La goutte, même on appelle ça la cire urique. La cire urique, voilà, la goutte. Tu as mal aux articulations, tu n'arrives plus à fermer tes doigts, tu marches à peine, on te prescrit les prothèses de chaussures, tu commences à accuser le village que c'est la sorcellerie. Non, voilà, tu n'es pas, on ne t'a pas ensorcelé. C'est la goutte, trop de viande, trop d'alcool dans le corps. Donc voilà le produit. Tu prends ça, 2 boîtes, 3 boîtes, ça finit. Ça t'enlève la cire urique. Pourquoi? Parce que la médecine conventionnelle là, où tu parles, c'est juste un calmant. Ceci là va t'enlever la cire urique, va te faire pisser. Va te faire pisser. Voilà. Tu vas pisser toute la saleté là, tout la cire urique là. La cire qui est dans tes articulations. Voilà. Donc voilà. Voici l'appareil pour réduire la consommation de lumière. On appelle ça le digital serve. Voilà. Et vous savez, quand tu as la goutte, toujours on accuse le village. Surtout certains benguis, quand vous venez au Cameroun, après tu pars, tu as la goutte. Oh, vraiment, on m'a lancé un sort. Non, ce n'est pas un sort, c'est la goutte. Il faut faire attention. Et la goutte dérange. Ça te nuit la vie. Voilà. Donc voilà, on a ce produit-ci là, l'appareil-ci là, c'est le digital serve. Ça réduit la consommation de lumière. Tu branches comme ça là. Si tu payes la lumière 100 000, tu vas commencer à payer la lumière 60 000. Ça refroidit les câbles dans le mur. Ça refroidit les câbles dans le mur. Voilà. Et vous savez, c'est quand tu branches les appareils, climatiseur, frigo, tout ça, hein, les câbles, ça chauffe, ça fait tourner le compteur. Sauf qu'on dit que quand tu achètes les mauvais câbles, tu vas voir que tu as plus de consommation à la maison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas froid. Ça, c'est un système de refroidisseur. Sauf que quand tu branches là, ça chauffe. Ça garde la chaleur à l'intérieur. Voilà. Et quand tu débranches, si peut-être tu as mis ça quelque part comme ça là, et tu veux nettoyer le sol, si tu débranches, ne touche pas la fissure, la tête. Si tu touches, ça va te frapper. Parce que ici là, ça garde l'énergie. Donc il faut attendre à ce que la lumière s'éteigne. La lumière. Parce que quand tu branches, la lumière est allumée. La lumière rouge qui est en haut là, c'est allumé. Donc quand tu débranches, laisse au sol jusqu'à ce que la lumière rouge s'éteint avant de toucher. Bon, d'abord, tu nous sais pourquoi. Bon, on connaît, il y a les gens. Bon, tu ne comprends pas si c'est les extraterrestres. Tous les gens qui aiment les problèmes. Voilà. Donc, quand tu débranches, là, tu déposes au sol. Jusqu'à la lumière s'éteint avant que tu touches. Parce que si tu touches à l'instant, ça va te porter. Par l'énergie qui est à l'intérieur, là. Ça va te porter, ça va te taper en haut du plafond. Peut-être que tu risques de mourir même. Voilà. Donc, tu vas chercher une place isolée. C'est là où tu branches ça. On appelle ça le digital server. C'est sous licence allemande. C'est un appareil, c'est sous licence allemande. Mais c'est conçu
est construit à Singapour. On appelle ça le digital server pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Il y a aussi pour la barbe. Ceci là, c'est pour tous ceux qui ont les problèmes de barbe. Voilà, tu as les problèmes de barbe. Ta barbe soit en désordre. Voilà le produit. Tu as le problème de calvitie, chute de cheveux. Voilà le produit. Voilà, tu mets là le matin quand tu te laves. Hein, le matin quand tu te laves, tu mets là sur la calvitie, les chutes de cheveux. Voilà, tu mets là. Voilà. On va te faire l'affaire. Donc mon numéro, c'est le 683 40 97 55. C'est mon numéro MTN. Pour tous ceux qui veulent les produits naturels. Mes produits sont naturels. Ça sort de l'Asie du Sud-Est. Mes produits sortent de l'Asie du Sud-Est. C'est naturel. Voilà. Donc, mon numéro, c'est le 683 40 97 55. C'est mon numéro direct du Cameroun. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Les gens me disent que Mbanga Diaspora, comment tu as perdu tellement vite le poids comme ça? Oui. Voici ce qui avait fait mon affaire. Voici ce qui avait fait mon affaire. Voici ce qui m'a sauvé dans la vie. Lily Slim, c'est le produit pour perdre du poids. C'est un coup fin. Ça réduit ta panse. Et avec le temps, tu ne manges plus assez. Les effets secondaires, oui, quand tu commences à prendre ça, premier jour, deuxième jour, ça t'amène au sel normalement. Tu n'as pas la diarrhée. C'est que ça te sort la quantité, autant de caca. Vous savez, parfois, on a le ventre ballonné. Pas parce que, non, c'est le reste de caca, le reste de bière, là. C'est les déchets qui sont dans le ventre. Ça n'a pas calé partout. Donc, quand tu commences à prendre Lily Slim, ça va là, ça te nettoie le ventre. Tu commences à partir au sel. Tu vas voir la quantité de caca que tu vas chier. Voilà. Et vous savez, beaucoup de nous, les Africains, on n'est même pas assez gros. Parfois, là, c'est le ventre qui est devant. Homme comme femme. Pas souvent, en réalité, on a un bon corps, nous, les Africains. Voilà. Mais le problème, c'est que parfois, c'est le ventre qui est devant. Là. Et ça t'étouffe. Incapable de t'habiller. Tu es tout mal à l'aise. Tout. Tu n'es pas épanoui. Voilà. Et tout ça, ça a les effets. Hein. Vous savez, quand le ventre est ballonné, là, ça a les effets, même sur le mythe. Oui, même sur la jouissance, ça a des effets. Bah, tu es mal à l'aise de te coucher sur ton ventre, sur la femme. Mais oui, et l'homme qui souffre assez souvent, c'est souvent l'homme et la femme. Les deux souffrent. Le surpoids, c'est pas bien. Voilà quelque chose qui va t'empêcher de manger naturellement. C'est bio, fait à base de plantes naturelles. Ça n'a pas d'effet secondaire. Les seuls effets secondaires, comme je t'ai dit là, c'est tout à fait normal. Ça nettoie ton ventre, tu pars beaucoup. Oui, c'est les deux premiers jours. Ok? Après ça, tu commences à manger, tu auras beaucoup faim. Mais après, tu vas te rendre compte que tout est devenu normal. Bah, ça te nettoie avant, c'est si bien que ça sort les glaires. Tu vas voir, tu vas commencer à partir au WC. Tu vas sortir les glaires. Donc, quand tu vas aller au WC, tu vas commencer à faire caca. Voilà, un moment, tu vas voir que sur tes caca, il y a les glaires. C'est en train de nettoyer ton ventre. Tu vas commencer à voir les nouveaux caca. Les nouveaux sels. Ce sera propre, clean. Voilà. Ok? Ce sera propre, clean. Maintenant, ça va te couper la faim. Maintenant, ça va te donner maintenant une nouvelle vie. Une nouvelle manière de t'alimenter. C'est très important. Voilà. Pas d'effet secondaire. Lily Slim. Best-seller. Mes produits sont best-seller. Si tu as besoin, on a le stock en France. Voilà. En Europe, on n'a que le stock en France. Si tu es ailleurs, tu peux payer. On t'envoie par DHL. On t'envoie par EMS. Voilà. Et je donne un conseil à tous ceux-là qui veulent envoyer les colis partout. À des prix abordables. Il y a EMS. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ça, c'est un secret gratuit. Si tu as les petits colis EMS, si DHL, c'est 100 000, chez eux, ce sera 50 000. Va à EMS. Parce que je vois beaucoup de personnes souffrir. J'ai découvert EMS. Ça fait peut-être 3 ans, 2 ans. Quand je faisais dans les mèches, quand j'ai aidé les Camerounais, c'est quand j'ai découvert ça, j'ai beaucoup aidé beaucoup de gens. Donc voilà. Voilà les produits pour perdre du poids. Ça réduit ta panse. C'est un coup fin. Avec ça, tu ne manges plus beaucoup. Et ça te donne une forme normale. Bon, faites attention aussi. Il faut souvent aussi aimer sa corpulence. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui veulent devenir comme les autres. Non, il y a les gens qui sont minces de nature parce qu'ils ont une maladie qui les dérange. Voilà. Parce que tu les as vus à l'instant. Absolument, tu penses que non, c'est un corps de rêve. Non. Il y a des gens qui ne font pas le sport, mais qui sont comme ils sont là. Parce que parfois, c'est génétique. Parfois aussi, ils souffrent d'une pathologie. Il y a des gens qui sont minces parce qu'ils souffrent d'une pathologie qui les ronge. Et on veut brutaliser son corps. Arrêtez de brutaliser votre corps. Parce que souvent, là, on donne ça à quelqu'un. Il part commencer à prendre. Qui t'a demandé de prendre trois? On te dit de prendre un le matin, un le soir. Avec de l'eau tiède. Tu vas prendre, même pendant 2 semaines, tu vas voir que peut-être. Mais avec le temps, tu vas te rendre compte que je suis en train de perdre du poids.
Et les trois boîtes ici, là, les trois boîtes, c'est pour 20 kilos. C'est pour perdre 20 kilos. Ça veut dire que si tu as 30 kilos, 40 kilos, tu dois prendre 6 boîtes. Faut pas qu'après ça ne mange pas, tu m'appelles au bagage diaspora, non. Voilà, quand tu es prescrit quelque chose, quand tu souffres d'une pathologie, d'une maladie, tu dois prendre le remède qui mérite, qui va avec. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, appelez-moi au 683 40 97 55 ou au plus 62 812 125 244 98. Ça ne répond qu'à WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Donc voilà, je pense que j'ai fini. Il est temps maintenant qu'on crie pour le moment pour que les ambassades, les chancelleries vont en aide à nos frères. Voilà même les chaînes étrangères qui sont en train de parler de nos frères qui sont devenus les chers à canon. Vraiment, mes chers frères et sœurs, c'est le chemin que nous tous nous sommes passés. Je compatis avec mes petits frères là-bas. Mes petits frères, à nos jours d'aujourd'hui, c'est trop de courage. Je n'ai pas dit qu'il n'y a plus rien dehors. Mais chacun peut quitter ici, là, aller là-bas dehors et rentrer même. Mais oui, oui, oui. C'est juste avoir la foi. Nous pouvons changer notre pays. Et pour changer ce pays-là, nous devons être là, nous tous. Nous devons avoir un leader. Voilà, là, Omar, voilà Omar Sankono. Il est député, hein? Il pourrait dire que je m'en fous, que je me contente du petit poste que j'ai de député, le petit poste de luxe. Voilà ce qu'on appelle vrai leader. Oui, voilà ce qu'on appelle leader. Il est où ce député, mais il est là pour la cause, il est là pour les vraies causes. C'est de ça qu'il s'agit. Il doit arrêter de suivre certains gens sur la toile qui sont là à fumer le peuple, à détruire le peuple. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous. Voilà, pour tous ceux qui ont besoin. Mon frère, je ne suis pas notaire, mon frère. Est-ce que je suis notaire? Je ne suis pas ton notaire, mon frère. Je ne suis pas notaire. Seul le notaire est à appeler à vendre, à faire les ventes sur les terrains. Je ne suis pas notaire, mon frère. Bonjour à toi, le DG de la Sonel, que j'appelle pas le nom. Appelle-moi à mon numéro WhatsApp, voilà, appelle-moi à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Appelle-moi à mon numéro WhatsApp, comme ça je vais te passer le numéro de mes partenaires. Voilà, appelle-moi à mon numéro direct 683 40 97 55, je te passe les contacts. Voilà. Et passez vos commandes du jus de canne. Hein. Tout à l'heure, je suis en face le Memo Nightclub. Passez vos commandes du jus de canne à ceux. Je suis en train d'être prêt à sortir. Passez vos commandes du jus de canne. Voilà.